Togo Info, le Togo à votre portée. Ben, c'est une affaire de conviction, cher ami. On y croit ou on n'y croit pas. C'est-à-dire que, bon, il y a ce qu'on appelle les gens aigris. Hein? Ils sont mécontents parce qu'ils n'ont pas été nommés ministres, n'ont pas été directeurs, on ne leur a pas donné des enveloppes, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils sont fâchés contre le régime. Donc, ils prétendent être opposants. Mais opposant ne veut pas dire démocrate. La démocratie se fait avec des démocrates. Il faut croire à la démocratie pour faire la lutte en faveur de la démocratie. Il y en a, leur lutte, c'est pour un poste. C'est pour une ambition personnelle. C'est pour être ministre. Hein? Donc nous, c'est pour que le pays change, pour que tout le monde soit tranquille et que règne l'état de droit. Voilà ma conviction. Ce n'est pas pour obtenir quoi que ce soit. Parce que dans notre engagement dans la société civile, la Ligue notamment, la Ligue n'a pas d'argent. La Ligue a toujours de gros, gros problèmes et le pouvoir a toujours compté là-dessus pour que la Ligue tombe. Mais elle n'est jamais tombée. Mais souvent, ben, vos pauvres sous y vont. Vos pauvres sous sont engagés dedans. Vos pauvres sous de fonctionnaires. Hein? Donc, c'est une conviction, c'est un choix, hein, parce qu'on veut servir notre pays. Hier, à l'intervention de l'ancien président, Maître Raphaël Kwande, il a demandé le forum des anciens présidents. Pourquoi ce forum des anciens présidents? Bon, c'est une proposition qu'il fait, donc c'est lui qui peut le mieux répondre à cette question. Non, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que les anciens membres du bureau puissent continuer à s'intéresser à la vie de l'association. Parce que souvent, d'anciens membres du bureau, on ne les voit plus, ils disparaissent. C'est comme si leur sort à eux n'était que d'être membre du bureau.